les bienvenus pour cette journée d'hommage à Jean Baster qui est organisée conjointement par la Fondation Saint-Irénée du diocèse de Lyon et par le Centre interdisciplinaire d'éthique et la chaire Jean Baster de l'Université de Lyon. Cette rencontre cet après-midi et ce soir peuvent être considérées comme la date de naissance officielle de cette chaire Jean Baster, même si l'équipe de chercheurs que nous avons constituée travaille déjà depuis quelques mois et a déjà fait une première publication. Alors, il me revient la lourde charge d'être le gardien du temps dans cette rencontre, charge que je devrais exercer avec une certaine précision parce que le programme est bien nourrissant et si on veut tenir dans l'après-midi, il nous faudra être assez précis. Je ne saurais trop encourager les intervenants à respecter aussi précisément que possible les horaires. Alors, je me permets d'ouvrir la séance en disant que je ne suis pas simplement Monsieur Loyal, puisque j'ai quand même une autre raison d'être là, c'est que j'ai connu Jean Baster il y a, je pense, à peu près 20 ans, puisque je fus son éditeur lorsque, dans une autre vie, j'étais directeur littéraire aux éditions du Cerf, et donc le Chant des Créatures, c'est moi qui l'ai publié, c'est même moi qui ai fait la photo de couverture du Chant des Créatures. Et c'était l'époque où, parmi les éditeurs religieux parisiens, les visites régulières, à peu près semestrielles de Jean, faisaient sourire tout le monde parce que Jean arrivait avec un stock de manuscrits et il proposait un livre à un éditeur. Et puis si la fois suivante, on disait finalement on ne le prend pas, il était très sportif, il faisait aucun problème, merci beaucoup. Il quittait le Cerf, il traversait la Seine, il allait à Bayard et il le proposait. Et donc on se voyait, on disait, ah bah tu as vu Jean, oui, tu as pris lequel, etc. Mais tout ça se faisait dans une ambiance tout à fait sympathique et d'une concurrence souriante. Et ça fait partie des auteurs dont j'ai gardé un très bon souvenir comme éditeur. Alors, la chaire Jean Baster étant portée par l'Université catholique de Lyon, l'introduction se doit d'être faite par notre recteur, le père Thierry Magnin, qui va maintenant prendre la parole. Dans les obligations d'un recteur, il y en a qui sont extrêmement sympathiques et heureuses, comme celle d'ouvrir cette journée, journée d'hommage à un grand monsieur qui n'a pas fini d'inspirer et aujourd'hui et demain, sans aucun doute, dans ce domaine de l'écologie et dans bien d'autres domaines. Et en ce sens-là, j'ai pu discuter avec Charles Péguy quasiment en personne, avec son petit-fils, puisque Jean Baster a beaucoup œuvré chez les amis de Charles Péguy. Et d'ailleurs, ça sera intéressant de voir comment il y a un lien entre sa méditation de Charles Péguy, celle du Cantique des Créatures, et celle qu'il a développée dans ce domaine de l'écologie et dont nous héritons en quelque sorte. Dans cette journée qui est justement sur Jean Baster, c'est aussi une manière de rendre publique cette chaire d'écologie que nous montons depuis le 1er janvier 2015 à l'Université catholique de Lyon. Et nous en sommes très heureux parce que, sans du tout faire un cocorico trop majestueux, il me semble que c'est la première chaire de recherche dans une faculté ici de philosophie dans le centre d'éthique interdisciplinaire, faculté de philosophie et de théologie, la première chaire de ce type en France, et un moment où particulièrement important, où nous parlons tous bien sûr de la rencontre internationale sur le climat qui se tiendra en France cette année, puisque c'est souvent le premier mot écologie en ce moment, c'est réchauffement climatique, c'est pollution, c'est danger, c'est bon. Voilà. Et ça tombe bien que ça se passe ainsi. Et puis, bien sûr, nous sommes tous dans l'attente de l'encyclique de notre pape François qui nous est promis sur ce sujet et qui devrait
arriver mi-juin, pense-t-on, fin juin. Voilà. Également, dire que l'Église de France se mobilise, me semble-t-il, assez fortement. Cette chaire en est un exemple, puisqu'elle se veut aussi très ouverte. Elle n'est pas lyono-lyonnaise, même si elle part de Lyon. Et elle se veut très ouverte. Également, la chaire sera partenaire d'un moment un peu fort, me semble-t-il, qui se prépare, toujours dans la région Rhône-Alpes, à Saint-Étienne, pour fin août, avec les Assises chrétiennes de l'écologie, et qui devrait là aussi rassembler des gens de toute militance, j'allais dire, et des universitaires et des personnes fortement engagées dans cette recherche et dans cette action pour l'écologie aujourd'hui. Voilà, tout ça nous donne un terrain très favorable pour des études universitaires. Alors voilà, c'est ça qui, chacun doit apporter sa participation spécifique. C'est une chaire de recherche et qui aura évidemment des conséquences en enseignement, portée par un centre interdisciplinaire de recherche en éthique dont Jean-Marie Guelette, qui n'est pas franciscain, qui est dominicain, juste précise quand même, mais voilà, est responsable, dont il est responsable, et ça se veut donc une chaire de recherche, et ça c'est particulièrement important. Bien sûr que ça fait longtemps que l'écologie, d'une certaine manière, est travaillée dans la tradition chrétienne. On rappelait des éléments, et vous en aurez cet après-midi avec les pères de l'Église, mais beaucoup d'autres. On pense à saint François d'Assise, évidemment. Ça, c'est les grandes figures, mais on en trouvera certainement aux quatre coins. Et en même temps, l'impression qu'au XXe siècle, en tout cas, c'est un sujet qui peut-être était un peu abandonné, hein, dans le cadre des études et universitaires, et même peut-être dans un certain nombre de soucis globalement portés, en tout cas, par nos églises plutôt catholiques, car les orthodoxes ont toujours été fortement sensibles, me semble-t-il, à cette dimension-là. Et quand on entend les responsables, on entend aussi ce souci important, en lien direct avec l'ensemble de notre société, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire une chaire qui soit dans un ghetto chrétien, bien sûr, mais ouverte sur les grandes questions de la société d'aujourd'hui dans ce domaine-là. Alors l'écologie, par contre, c'est enseigné à l'université, dans les universités d'une manière générale, mais c'est souvent pensé en termes d'écosystème, l'interaction des vivants dans les écosystèmes qu'ils forment, hein. Et parmi les vivants, il y a l'homme, oui, avec beaucoup d'autres, bien entendu, et c'est un aspect très intéressant et très important à prendre en compte. Ici, c'est un autre aspect qui sera travaillé, puisque à la lumière de cette grande tradition chrétienne et d'autres peut-être, hein, sur le sens de la création, eh bien, comment traiter de cette écologie. Alors, je vais employer un terme que Fabien Revol n'aime pas bien, mais comment on parle, souvent quand on parle de l'écologie, on parle de l'environnement, même si les sciences de l'environnement, c'est autre chose que l'écologie. Et on pourrait dire ici qu'on va essayer de faire de l'écologie humaine à l'écologie environnementale et retour, hein, quelque chose comme ça, avec l'homme et la visée de l'homme dans la création, évidemment, particulièrement mis en évidence à partir des éléments de la théologie de la création. La chance que nous avons aussi, c'est que Fabien Revol, le titulaire de cette chaire au sein du CIE, eh bien, on peut dire un peu est un disciple de Jean Baster. Hein. Il a beaucoup reçu, comme un certain nombre d'entre nous, et c'est beau que cet héritage continue d'être porté pour aujourd'hui, pas avec la nostalgie du passé, mais avec l'ouverture de l'avenir. Et nous sommes heureux qu'un jeune docteur en théologie et en philosophie puisse conduire, avec toute une équipe, bien entendu, cette aventure de cette chaire. Hein. Donc, un grand merci à Jean Baster, bien sûr. Grand merci à Fabien. Grand merci aussi à la Fondation Saint-Irénée, qui est représentée par son secrétaire général, ici présent, Étienne, hein, puisque c'est aussi une affaire et de finances, mais d'intérêt d'abord pour un grand sujet au sein du diocèse de Lyon.
Et la rencontre du cardinal ce soir avec un philosophe venu de l'autre côté de la frontière suisse illustre l'importance et l'intérêt. On sait qu'il y a une mobilisation aussi de ce côté-là. Donc merci à la Fondation Saint-Irénée également. Voilà, je termine simplement en disant que pour nous aussi, Université catholique de Lyon, cette chaire écologie, encore une fois, un travail de un regard universitaire sur un problème qui est beaucoup plus large, mais le regard universitaire, le travail de la recherche et le travail universitaire. Voilà comment elle s'inscrit, cette chaire écologie aussi, dans la suite d'une chaire sciences et religions que nous avons conduit ces 3 dernières années et dans laquelle Fabien était aussi inséré, dans laquelle d'autres qui vont intervenir cet après-midi, merci François-Hervé d'être là, ont aussi apporté leur contribution, théologie de la création, écologie, d'autres ouvertures, d'autres aventures, on les souhaite magnifiques et on aura l'occasion de les suivre et d'apporter chacun notre contribution. Bonne journée. Et merci, monsieur le responsable du CIE, cher Jean-Marie.